Bonjour à tous, il est 13h pile et vous êtes sur 01net TV. Deuxième jour ici depuis Barcelone pour ce Mobile World Congress édition 2016. Nous sommes ravis de vous retrouver et ravis de vous accueillir ici même sur le stand d'Orange à Barcelone. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui encore pour une demi-heure consacrée aux principales annonces et puis à tout ce qui se passe, tout ce qui bouge ici à Barcelone. C'est interactif comme d'habitude, vous le savez. Vous pouvez poser vos questions, commentaires en direct. Un seul moyen pour cela, Twitter, hashtag 01Live. Alors au menu de ce deuxième 01Live, on va parler de 5G. Nous sommes sur le stand Orange, évidemment, l'opérateur de téléphonie mobile prépare les réseaux du futur. Qu'est-ce que ça va être la 5G? Est-ce que ça va être meilleur que la 4G? Dans quelle mesure? On va en parler dans quelques instants. J'espère. Les nouveautés Sony Mobile aussi, avec, oui, notre invité Olivier Terne, qui dans un instant viendra nous parler d'une petite oreillette tout droit sortie d'un film de science-fiction. Voilà. On s'intéressera encore une fois à Samsung, parce que hier on vous a présenté le Galaxy S7, mais qu'est-ce qui change entre le Galaxy S7 et le Galaxy S6? Quelles sont les grosses nouveautés? On en parlera avec notre invité Samsung aussi tout à l'heure. Et puis nous retrouverons les chroniqueurs de 01net.com, David Noguera, Christopher Siminelli et Raphaël Grabli qui sont allés faire leurs courses dans les allées. Raphaël nous présentera un florilège d'innovations insolites. Voilà. Et puis David, comme d'habitude, son credo c'est l'automobile, tu le sais. Eh oui. Et parce qu'il y a l'automobile ici, hein, Mobile World Congress. C'est un peu comme le CES, l'auto est partout. On va commencer donc par la 5G. On en parle de plus en plus de la 5G. C'est un sujet hyper intéressant. Et on voit que tout le monde se prépare, à la fois les opérateurs, mais aussi les constructeurs de téléphones. Et pour en parler, nous avons avec nous le plaisir d'accueillir Dean Thuy Fanhui. Bonjour. 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 Désolé pour avoir écorché votre prénom et votre nom. Alors Dean Thuy, vous êtes chercheuse à Orange Lab. Oui. Et vous savez tout sur la 5G. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la 5G? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui existe finalement? Pour l'instant, c'est au stade de recherche et développement. Oui. La standardisation commence aussi et ce sera déployé à partir des années 2020. Donc en 2020, on aura le début du déploiement de la 5G, c'est ça? Tout à fait. Mais alors qu'est-ce que c'est que la 5G? Et qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à la 4G? Alors la 5G, c'est une révolution. Il y aura non seulement plus de débit qu'aujourd'hui, mais surtout plus de services différents. Donc on veut arriver à avoir une meilleure qualité de service, 50 mégabits par seconde partout, même dans le TGV, mais on veut aussi pouvoir offrir de nouveaux services. 50 mégabits par seconde partout? Partout. C'est un défi. Même dans le TGV? C'est un défi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas à 50 mégas dans le TGV. Non, absolument pas. Ça, je vous le confirme. On y arrivera. D'accord. C'est hyper ambitieux, non? Parce qu'en fait, c'est du très haut débit partout, partout, tout le temps. Tout à fait. Et ça, c'est juste pour l'usage classique. Ce qu'on veut aussi faire, c'est offrir des nouveaux services. Connecter les machines dans les usines, connecter les drones, connecter les objets, les véhicules, le train, le TGV, tout sera connecté. Et on pourra même avoir une qualité de service et une fiabilité telle que les machines pourront être contrôlées à distance dans les usines. Mais alors, il y a un truc, pardon, que je ne comprends pas. Vous dites 50 mégabits par seconde, donc du très haut débit. Et en même temps, les machines, les objets connectés, on sait que ça n'a pas besoin de gros débit. Ça a simplement besoin d'une connectivité qui passe partout. Oui, c'est pour ça qu'en fait, on a des débits et des qualités de service qui sont différentes pour chaque usage. Donc pour les objets connectés de faible complexité, on travaille aussi sur des techniques qui permettent de réduire le coût considérablement de l'objet connecté. Et puis il y a un truc incroyable, je crois, avec la 5G, c'est le temps de latence du réseau, qui est vraiment très faible, plus faible que la 4G, et qui permet par exemple de piloter sur des distances incroyables des objets qui ont, par exemple, des outils ou des machines qui ont besoin d'une précision incroyable, c'est oui, ça? Oui, et d'une très grande fiabilité du réseau. Pas de coupure, il faut qu'il soit disponible parfaitement tout le temps, oui. D'accord. Et aussi des applications médicales. Mais alors ce que je comprends pas, c'est que vous dites on aura 50 mégabits partout, même dans le TGV, mais aujourd'hui on a déjà 50 mégabits avec la 4G. La 4G, on a des débits même qui sont parfois plus élevés avec des téléphones comme ceux de Sony qui sont là, ou même Samsung, etc. Mmh. On arrive à avoir des débits incroyables. Oui, mais par contre, on les obtient surtout quand on est près des antennes relais et qu'on a un bon signal. Là, le but, c'est d'avoir une performance qui est homogène. Même à longue distance? Oui. Et même dans les campagnes où il n'y a pas de haut débit? Oui, c'est ça qui est révolutionnaire. Oui.
Ah ouais. Et ouais, ouais. Alors je crois qu'en plus vous particulièrement vous travaillez sur quelque chose qui est assez intéressant, c'est le fait que avec la 4G, avec la 5G pardon, on pourra mieux cibler les devices. Hein, les... Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'arroser une zone comme ça et de, on sera d'être baigné par les ondes, vous arrivez quasiment à cibler. Hein. Oui, parce que un des objectifs fixés par tous les opérateurs, c'est d'arriver à écouler 1000 fois plus de trafic qu'aujourd'hui avec les futurs réseaux en consommant 2 fois moins d'énergie au global. Par rapport à aujourd'hui. Donc on voit bien que pour arriver à faire un tel objectif, il faut une rupture technologique. Alors il y a d'ailleurs un magnifique petit panneau lumineux qu'on peut voir sur le stand d'Orange actuellement, qui est très joli. On a du mal à décrypter, on ne comprend pas trop. Mais grosso modo, je pense que Florian va nous le montrer. L'idée, c'est que quand c'est rouge, il y a beaucoup de champs, voilà. Et vous, vous arrivez justement à contrôler les ondes, ouais. On contrôle le maître des ondes. Pour supprimer tout ce qui est superflu et apporter de l'énergie seulement là où c'est essentiel, c'est-à-dire là où il y a l'objet à connecter. D'accord. Alors vous avez dit 2020, c'est ça? Oui. Et donc la 5G cohabitera avec la 4G, la 3G aussi? Oui. Ceci dit, les anciennes technologies, petit à petit, seront éteintes évidemment au profit des nouvelles technologies qui sont plus performantes, plus économes en énergie, plus efficaces. Et les appareils, les téléphones existent déjà? Il existe des téléphones qui sont compatibles 5G ou pas? Pas encore, parce qu'on est encore au stade de recherche et développement et de standardisation. D'accord. Vous savez qu'il y a une question qui revient tout le temps quand on parle de montée en débit, c'est la question des zones blanches, parce que c'est bien d'avoir du super débit dans les villes où on a de l'Internet depuis toujours, mais il y a encore des zones en France où il n'y a pas du tout de couverture data. Est-ce que ça permettra d'améliorer les choses à ce niveau-là? Oui. Il y a plusieurs stratégies pour résoudre ce problème. Soit c'est d'utiliser par exemple la focalisation pour diriger l'énergie vers la zone blanche, soit c'est de densifier. Parfait, très bien, merci beaucoup. Merci. Donc il faut attendre encore, écoute, on est en 2016, 4 ans. Voilà. Bon, vous nous on faites va patienter. Saliver. C'est vrai que nous, on adore le très haut débit. Hein. Donc nous, on est en, voilà, ça la nous fait rêver. Maintenant. C'est pas juste à côté de l'antenne. Et voilà, c'est ça qui partout. Est super. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Olivier Terme, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing chez Sony. La 5G, ça fait rêver. Hein. Alors j'imagine que vous, dans les labos, déjà, vous imaginez les usages qu'on pourra avoir avec cette techno. Ou c'est encore un peu trop tôt? Il est encore un petit peu trop tôt pour en parler, mais il est vrai que ça fait effectivement saliver et on se dit toujours plus de débit, donc pour pouvoir profiter encore plus des smartphones, bah c'est des choses qu'on a envie de voir venir assez rapidement. Alors, les nouveautés Sony, présentées donc il y a quelques jours, oui. Des smartphones, ce qui est logique, hein, au Mobile Normal. World Congress. Effectivement. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous avez présenté de nouveau? Alors beaucoup d'actualités chez Sony cette année, puisque effectivement on va commencer par le cœur du métier chez Sony Mobile, ce sont donc les smartphones, et en l'occurrence on a annoncé 3 nouveaux modèles, un nouveau naming déjà, Xperia X, X pour la marque Xperia naturellement, mais aussi pour l'expérience. L'idée c'est véritablement d'apporter toujours plus d'expérience à nos utilisateurs, et donc on propose un smartphone premium, pardon, qui est donc l'Xperia X, et une version encore un petit peu plus premium qui est le Xperia X Performance. D'accord. Ces deux produits-là, performance, alors, vous avez mis le meilleur, là. À tous les niveaux, on a ce qui se fait de mieux chez Sony avec le Xperia X Performance. D'accord. On va retrouver en tout cas de commun sur ces deux produits-là une partie photo très très poussée. Vous savez que Sony, en l'occurrence, est quand même l'acteur incontournable de la photographie aujourd'hui. Vous équipez d'ailleurs beaucoup d'appareils photo de constructeurs de smartphones concurrents. Hein. Effectivement, au niveau des capteurs. Et donc, en l'occurrence, on a annoncé hier un autofocus qui non seulement était, en tout cas sur la série Z5, le plus rapide du monde, mais désormais qui est prédictif. Autrement dit, mon smartphone va pouvoir déterminer la direction où l'objet que je suis en train de photographier va se déplacer. Donc, par exemple, je marche comme ça. Oui. Là, devant nous, je prends une photo. Oui. Je ne serai pas flou. La personne qui va marcher ne sera pas flou. Exactement. C'est l'intérêt. Parce que le logiciel à l'intérieur va anticiper c'est tout mon à fait déplacement. Ça. Exactement. Et ça nous vient tout simplement de nos collègues de la division Alpha, qui fabrique et produit aujourd'hui des appareils photo numériques réflexes, donc du très haut de gamme. Et en l'occurrence, on travaille conjointement avec eux pour incorporer dans nos smartphones ces meilleures technologies. Cela dit, si on met une vitesse rapide, on règle le problème du flou aussi, hein, en général. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais en l'occurrence, est-ce qu'on peut faire ce niveau de détail-là sur les smartphones aujourd'hui? On essaye, mais on n'est pas encore au niveau des réflexes, naturellement. La grosse tendance, on le voit ici, c'est la vidéo 360. Aujourd'hui, tout le monde nous parle de ça. Vous êtes sur ce créneau aussi? Vous y croyez? Alors, on a présenté un concept qui tourne autour du domaine de l'Internet des objets qui a été notamment annoncé hier, qui est encore à l'étape de concept, mais il s'agit d'une petite appareil photo numérique que je vais pouvoir clipser sur ma veste
sur mon pull, sur les vêtements que je porte en tout cas. Et dès lors que je vais donc prendre des photos tout au long de la journée par l'intermédiaire de cet objet, et dès lors que je vais le poser sur la table, je vais effectivement avoir une captation possible à 360 degrés. Voilà. Donc il y a des choses qui arrivent, qui sont dans les tuyaux du côté de Sony, y compris sur, sur ce domaine-là. Un peu en retard par rapport aux, on va dire aux géants LG, Samsung, qui eux, voilà, vont commercialiser dans les semaines qui viennent leur caméra 360. Je ne sais pas si on est véritablement en retard. Après, bon, effectivement, ces marques-là, comme vous le citez, vont sortir des produits. Le marché, la demande en tout cas, n'est pas clairement identifiée à date. Donc ça fait un petit peu office de buzz. Derrière, il faut voir s'il y a une réelle demande du marché pour des produits comme celui-ci. On verra ce que Sony vous réserve dans les prochains mois. Alors en tout cas, il y a une chose qui est concrète que vous avez présentée. Oui. J'en parlais à l'instant. C'est un objet un petit peu futuriste en ce sens que ça, moi, ça me fait énormément penser au film Her. Oui, hein. Dont on m'a déjà parlé. C'est une oreillette qu'on met dans l'oreille, comme son nom l'indique, qui est très discrète et qui a une particularité. Alors, effectivement, on peut présenter ce produit comme une oreillette Bluetooth, mais c'est bien plus que ça. Ouais. C'est un véritable assistant vocal intelligent. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, cette petite oreillette, dès que vous allez la mettre, elle va détecter qu'il faut qu'elle se mette en route et elle va s'adresser à vous. Potentiellement, elle va pouvoir vous saluer. Elle va s'adresser à moi. Exactement. Elle va pouvoir vous... qui dit bonjour. Elle va vous dire bonjour. C'est un assistant vocal en fait. C'est un assistant vocal intelligent. Oui, mais alors on a déjà ça dans les smartphones. Dans les smartphones, oui. On a dans Android, on a Siri, etc. C'est vrai, mais vous êtes obligé de prendre le smartphone. Elle n'a pas besoin d'être connectée au smartphone pour faire ça. Alors il y a une application qui s'installera sur le smartphone, ah oui. Mais derrière, elle fonctionne de manière autonome. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je n'ai pas besoin d'allumer mon smartphone et de mettre en route un certain nombre d'applications pour qu'elle puisse fonctionner et être force de proposition. Mais cela dit, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que si par exemple j'ai une oreillette Bluetooth, je peux malgré tout activer la système de reconnaissance vocale et dialoguer avec mon téléphone, même si elle n'a pas toute la technologie qu'a votre oreillette. Ça va un petit peu plus loin, puisqu'en l'occurrence, comme je vous l'indiquais, l'oreillette, vous la mettez dans votre oreille et elle se met en route automatiquement et toute seule, par l'intermédiaire de capteurs. Et derrière, elle va être force de proposition. Prenons un exemple concret. Je dois me rendre à une adresse précise, d'un point A à un point B. Je vais pouvoir interroger mon oreillette en lui demandant clairement où se trouve l'adresse et comment m'y rendre. Et derrière, mon oreillette va me guider à pied ou en voiture ou en transport. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher une elle application indique, de navigation. Elle est tout droit. Oui, mais elle fonctionne, ça fonctionne comment? Elle va chercher c'est l'application. Elle va chercher une information de navigation sur le smartphone. D'accord. Voilà. Grâce à Google ou à... On s'appuie effectivement sur l'architecture de Google Now pour cela. D'accord. Oui, c'est un relais de Google Now. Un relais d'une... Oui et non, puisqu'en l'occurrence, indépendamment de ça, vous allez pouvoir aussi interagir avec un certain nombre d'applications, type WhatsApp, la rédaction des messages, vous allez pouvoir réceptionner vos messages, et puis également des capteurs et des sensors type accéléromètre ou gyroscope qui laissent présager de choses intéressantes dans l'utilisation de cette oreillette. D'accord. C'est un concept encore comme votre petite caméra ou est-ce que c'est quelque chose de plus concret ça? C'est quelque chose d'un peu plus concret, c'est quelque chose qui sera commercialisé à l'été. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'informations sur le positionnement visé. Le prix? Mais sur le prix, très clairement, prix, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver dans quelques semaines, on peut dire maintenant. Quelle serait l'autonomie de l'oreillette? Alors, aujourd'hui, l'oreillette en autonomie va fonctionner une journée. Tout dépend de l'utilisation ensuite que vous allez en faire. L'avantage, c'est que vous avez un petit étui qui est livré d'office avec cette oreillette et qui va permettre, si besoin en était, de la recharger au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a une batterie dedans? Il y a une batterie, effectivement, dans l'étui qui est fournie avec l'oreillette, qui se recharge donc, par micro USB. Donc, la remet dans l'étui, elle se recharge, en fait. Exactement. Ah oui, c'est malin. En revanche, ça vient concurrencer les oreillettes stéréo pour écouter la musique, parce qu'on ne peut pas écouter la musique avec ça. Non, mais ce sont des usages qui sont complètement différents. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, avec notre gamme de smartphones, on propose du son Hi-Res haute définition. Et donc, effectivement, pour ça, si on veut vraiment exploiter le son Hi-Res, on va prendre un casque compatible Hi-Res. Donc, les usages ne sont pas vraiment les mêmes. Olivier, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Les nouveautés Sony donc de ce Mobile World Congress. À découvrir, entre autres, avec parmi toutes les vidéos disponibles sur Zoranet TV. Effectivement. L'une des stars de ce Mobile World Congress, c'est Samsung, bien sûr. On en parlait hier, on vous a fait découvrir le Galaxy S7. Mais on voulait y revenir, Jérôme, parce que finalement, ce Galaxy S7 suscite plein d'interrogations, surtout quand on le compare au précédent. Galaxy S6, c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément, ces deux téléphones. Et tu peux même dire au précédent au pluriel. Au précédent au pluriel. Au Galaxy S5, etc. Et voilà. Et puis en plus, il y a le Galaxy S6, le Galaxy S6 Edge. Et là aussi, voilà, il est décliné en deux modèles. On a besoin d'éclaircissement. Avec Camille Castinel. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, alors, la question qu'on aimerait vous poser. Quelle est la différence entre le Galaxy S6 et le Galaxy S7, qui même s'ils ne se sont pas véritablement identiques, se ressemblent beaucoup?
Alors ils se ressemblent et effectivement ils se ressemblent bien parce qu'on retrouve bien la signature Samsung qu'on avait vu et découvert avec le Galaxy S6 l'année dernière. Oui, qui était une vraie rupture en matière de design. Exactement, tout à fait, avec cet écran incurvé, ces matériaux nobles, le dos en verre, les finitions en métal. Donc on est sur le même type de produit, donc très joli, très bien fini. Et surtout, il a été amélioré. Alors en parlant de design, ouais, il a été amélioré sur trois points essentiels sur la partie design, on va dire ça comme ça. La première, c'est le retour du port micro USB, donc en fait qui va permettre à l'utilisateur d'augmenter sa capacité de stockage jusqu'à 200 gigas. Quand donc vous dites le retour, c'est parce que donc il n'était pas sur le 6. Exactement. Mais il était sur le 5. Tout à fait. Donc et là, vous vous êtes fait taper sur les doigts par les utilisateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une vraie demande? Alors, c'était une vraie demande, tout à fait. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on est toujours en train de récupérer du contenu, de créer son propre contenu, de faire des vidéos, des photos, de télécharger des vidéos, des jeux, des applications, etc. Donc, c'est une vraie demande aujourd'hui d'utilisateurs de pouvoir augmenter sa capacité de stockage. En plus de ça, avec une carte micro SD, c'est quand même très simple d'échanger en fait le contenu qu'il y a dans son téléphone. On prend sa petite carte, on la met dans un petit adaptateur et puis on peut utiliser son contenu sur n'importe quel autre support. Donc ça, c'est vraiment un point important et c'était vraiment important pour Samsung de revenir justement à l'utilisation et à l'intégration de ce port micro SD. En plus, c'est bien intégré parce que finalement, il n'y a pas de, vous faites pas de compromis sur le design. Hein. Exactement. En fait, on met une carte SD comme on met la carte SIM. C'est le même port en fait. Vous mettez la carte SIM et la carte SD dans le même emplacement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis il y a également l'étanchéité qui revient, qui avait disparu. Exactement. Il est au courant de tout, il sait tout. Mais je vois ça. Tout. Il est très au courant, mais c'est très bien parce qu'il est intéressé. C'est pour ça. Bien sûr. Donc, mais je pense aussi à tous ceux qui ont acheté le S6 et qui se disent zut, je suis arrivé trop tard pour le S5 et trop tôt avant le S7. Ah ben là, le S7 c'est parfait, puisque justement il embarque en fait la certification IP68 qui va notamment permettre à l'utilisateur de plus se soucier en fait de son environnement. Il va pouvoir téléphoner alors qu'il pleut, s'il a envie de prendre une photo sous l'eau de sa petite nièce, il va pouvoir le faire avec son téléphone, puisque la certification IP68 permet en fait à l'utilisateur d'immerger son téléphone pendant 30 minutes à peu près 1,50 m sous l'eau. Et quand on sait que quand on immerge, c'est pas toujours volontaire en plus. Exactement, voilà, c'est ça. Exactement. Effectivement. Donc étanche port SD, un design qui est légèrement différent. Hein. L'appareil photo est moins protubérant, il rentre plus dans le... En fait, il est beaucoup plus lisse. Mieux intégré. Il est mieux intégré. Tout à fait. L'objectif est mieux intégré. La technologie de l'appareil photo a changé. Alors voilà, quels sont les autres paramètres techniques qui changent aussi par rapport au S6? La technologie dual pixel. Donc en fait, c'est une technologie qui est héritée un petit peu du monde de la photo et qui va permettre en fait à l'utilisateur d'avoir des photos quasiment inratables. Donc je m'explique. Sur un mégapixel, vous n'allez pas en avoir un, mais vous allez en avoir deux. Ils vont être un petit peu jumelés. Et ils vont tous deux capter une photo, fusionner ensuite la même photo pour avoir une photo d'une netteté impressionnante. C'est un petit peu quand vous regardez d'un côté avec un seul œil, de l'autre avec un seul œil. C'est moins bien qu'avec les deux yeux. Exactement. Votre cerveau va fusionner les deux images et vous allez voir de manière très nette. Et bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec votre téléphone, puisqu'avec cette technologie dual pixel, vous allez avoir des photos très très nettes. Ouais. L'autofocus a été amélioré puisque la vitesse est passée à 0,2 secondes. L'ouverture a également été améliorée puisqu'on passe à 1.7, avant on était à 1.9, donc là on a vraiment des photos très jolies en basse luminosité. Oui. Et enfin, la taille des pixels, elle aussi qui a été agrandie, qui va vraiment permettre à l'utilisateur de profiter de photos quasiment inratables. C'est-à-dire qu'on passe de 16 mégas à 12 mégapixels. Alors 12 mégapixels, mais on change de technologie. D'accord. Donc avec cette fameuse technologie, avec les, pixels jumeaux. Donc en fait, c'est pas vraiment la course aux mégapixels, mais c'est plutôt ça la veut plus technologie. Dire grand chose, hein, exactement, c'est la technologie qui va vraiment faire la différence. Camille, comme nous sommes en direct, pas mal de questions sur le Twitter hashtag 01live. Mmh. Y a-t-il toujours un capteur infrarouge sur le Samsung S7? Alors, il était sur le S6. Il était sur le S6. Faudrait qu'on regarde, mais je pense que oui. Je ne pourrais pas vous dire exactement. Capteur, le capteur infrarouge qui permet, entre autres, de transformer son smartphone en télécommande en télé, pour la télé. Oui, tout à fait, avec la télé. Tout à fait. C'est émetteur infrarouge, en fait. Voilà, un capteur infrarouge, un émetteur infrarouge. Mmh. Au niveau puissance processeur, on a vu pendant la conférence de presse qu'on arrivait à des performances graphiques dignes d'une console de jeu. Tout à fait. Alors, vous n'y allez pas un peu loin, là, franchement? On va toujours très loin, mais vous nous connaissez. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. En fait, déjà, on a un processeur qui a une bonne cadence, puisqu'on est cadence, donc on a un octocore, un Exynos, qui est cadencé à 2,3 GHz. Donc pour vraiment avoir des performances particulièrement optimisées, la dernière génération, et tout ce qui va bien.
Sur la partie jeu, on a le nouvel API Vulkan, donc qui est assez connu dans le milieu du jeu et qui va vraiment permettre à l'utilisateur de profiter d'une expérience de gaming vraiment intéressante. Mmh. Puisque là, on n'a plus de lag, on va avoir des jeux qui fonctionnent très bien, très fluides, et surtout, on va avoir une interface qui est dédiée avec le Galaxy S7, puisque vous avez une application qui s'appelle Game Launcher, qui va vous permettre d'agréer tous les jeux que vous avez sur votre téléphone et d'avoir un système de recommandation de contenu associé à ces jeux et surtout d'enregistrer vos parties et de pouvoir les partager. Et ça, c'est plutôt sympa. Camille, 700-800 euros, hein, on rappelle les tarifs. Hein, tout 600, à fait. 699 pour le S7 normal. Exactement. Et le S7 Edge, on rajoute 100 euros. Et avec combien couleurs. De stockage? Alors 32 gigas, 32 gigas sur les deux et 3 ça, couleurs disponibles au lancement. Camille, encore une question ennuyeuse posée par Antoine sur Twitter. Ça va bien se passer, Camille, c'est pas grave. Allons-y. Ça va. Pourquoi ne pas avoir mis l'USB-C? Alors en fait, c'est aussi une question de compatibilité sur l'USB-C, puisque comme vous le savez, un gros enjeu pour Samsung, c'est l'écosystème et la réalité virtuelle. Oui, et donc la compatibilité du Galaxy S7 se fait aussi avec le Gear VR, sur lequel vous avez un USB classique. Et pour le coup, je pense que vous l'avez bien compris pendant la conférence, la réalité virtuelle et les produits associés à la réalité virtuelle ça, sont on a un bien vrai compris. Enjeu. Et donc du coup, en termes de compatibilité, c'était intéressant d'avoir ce type de produit. Voilà. La réalité virtuelle, justement, elle est là devant nous. Elle est là, à travers deux produits donc, qui font partie de ce qu'on appelle, ce que vous appelez l'écosystème Galaxy maintenant. Donc, le masque qui existait déjà, hein, alors, pour le regarder des vidéos. Alors, le masque qui existait déjà, effectivement, et qui d'ailleurs est intéressant puisque lors de la précommande, il sera donné en plus gratuitement pour les gens qui auront précommandé le produit avant le 11 mars. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt. Le 11 mars, c'est la date de sortie de l'appareil. Exactement, hein. C'est la date de commercialisation de l'appareil. Donc le Gear VR est vraiment l'outil qui va vous permettre de vivre l'expérience immersive. Et ici, vous avez donc la Gear 360 qui est donc la caméra et qui voilà, vient vraiment ça, c'est légitimer la nouveauté, ce Gear VR puisqu'il va permettre à l'utilisateur de créer ses propres contenus en 360. Alors sur le même concept que nos objets connectés, on va avoir une petite application qui s'appelle Gear 360 et qui va vraiment permettre à l'utilisateur de piloter simplement la Gear 360 et de prévisualiser ses contenus sur son téléphone. C'est très mignon ce petit pied. La Gear 360 peut fonctionner toute seule sans aucun problème. Ça marche qu'avec les Galaxy S6 et 7 Galaxy S6 et Galaxy S7, oui. Pas d'autres téléphones? Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Mais il y a pourquoi? Il y a une volonté de la part de Samsung de s'ouvrir à d'autres plateformes, à d'autres smartphones? En fait, sur la Gear S2, par exemple, on était à la... Enfin, la Gear... Au départ, c'était que les Samsung, et ensuite, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, Samsung ne s'interdit pas de se démocratiser après, même avec la Gear 360. Elle coûtera combien et elle sort quand? Alors, Camille, le prix, je ne peux pas vous le communiquer encore, parce que je ne le connais pas. En revanche, elle sera disponible fin avril, début mai. D'accord. D'autres accessoires sont prévus chez Samsung avec le Galaxy S7? Pour l'instant, c'est déjà pas mal partie réalité virtuelle. D'accord. On va déjà sortir correctement cette belle Gear 360 et puis après, on verra. Merci beaucoup, Camille. Avec plaisir. Voilà, depuis Barcelone et le Mobile World Congress, vous découvrez, on va dire, le flagship, sans doute l'un des téléphones qui va le plus se vendre cette année. Hein, certainement. Cette année 2017, le Galaxy S7. Qu'on espère avoir en test très bientôt. Mais oui, ça va arriver. Merci beaucoup, Camille. On va enchaîner avec la rédaction de 01net maintenant. Oui. Vous savez que nos journalistes sont là, arpentent les allées de ce salon pour nous dénicher des petits trucs sympas. On va retrouver David Noguera dans un instant. Mais on va commencer par Raphaël Grabi qui est là. Salut Raphaël. Alors Raphaël, un micro. Ça marche mieux avec le micro. C'est mieux. C'est vrai. Oui, donc j'ai été dénicher des petits produits dont on n'a peut-être pas forcément entendu parler. Oui. Mais qui sont assez sympas. Il y a des accessoires, il y a quelques téléphones. Parmi les accessoires, j'ai trouvé ce tout petit module. En fait, c'est une petite lentille. C'est fabriqué par une entreprise qui s'appelle Nurugo. Ouais. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Oui, on le voit. Alors, en fait, il suffit de le placer. Alors, celle-ci, c'est pour iPhone, mais il y en a une pour Samsung ou pour plusieurs autres smartphones. Il suffit de le placer au niveau de la caméra et d'utiliser la lumière du flash. D'accord. Et ça fait microscope. Ah bon ? En fait, on peut grossir l'image à 400 fois. Donc, il y avait déjà des lentilles qui existaient du même type. Sauf que, en moyenne, elles grossissaient entre 50 et 60 fois. Là, on est sur du 400 fois, on a testé un petit peu. Ah, c'est génial. On a testé un petit peu, et effectivement, le résultat est assez convaincant. Ça fait microscope ou ça fait loupe? Comment? Ça fait microscope ou ça fait loupe? Enfin, c'est... Non, ça fait microscope, c'est vraiment une lentille. Quand on met sur la peau, on voit vraiment les grains de la peau. Ça peut s'utiliser à l'école, etc. Les poils de Raphaël, par exemple, tu vois? C'est magnifique. Oui, exactement. Donc on peut l'utiliser. Alors il y a une version aussi pour la dermatologie, il y a une version pour la recherche, il y a des versions pour les classes, pour les écoles, évidemment. Mais ça coûte pas très cher, ça va coûter $70.
Donc on peut aussi l'acheter. Ah, c'est malin. Si on se balade dans la nature avec son fils et qu'on veut lui montrer comment sont faites les feuilles, etc. Ça peut faire naître des vocations, donc c'est assez sympathique. Ouais. Et puis pour découvrir le monde des acariens qui vous entourent dans votre vie, par exemple, ça peut être très sympathique. Exactement. Et puis, donc ils sont lancés sur Kickstarter, ils ont commencé une campagne il y a seulement 10 jours. Ouais. Ils espéraient avoir 50 000 $, ils en sont déjà à 100 000. Oh. Il reste encore un mois. Donc, Kickstarter, la voilà, pause ça de... a rapidement pris, voilà, c'est un très joli produit. Super. Voilà, qui est très simple. Il n'y a pas de batterie, évidemment, parce que c'est juste une lentille, hein, donc il n'y a pas de question d'autonomie, rien. Autre chose, Raphaël. Alors, on a vu aussi certains smartphones assez intéressants. On a vu un smartphone qui s'appelle le Granite Phone. En fait, c'est un smartphone qui est ultra sécurisé, qui est fabriqué par Arcos, d'ailleurs. D'accord. Et qui est sécurisé de bout en bout. C'est-à-dire que depuis l'usine, Arcos crée une espèce de clé qui permet, qui rend impossible d'installer un autre OS. Et il y a une entreprise qui s'appelle Secure, qui est une entreprise brésilienne, qui implémente son OS dessus. Et donc, il y a un environnement qui est totalement fermé. Alors évidemment, on ne peut pas télécharger les Facebook, les WhatsApp. Il faut utiliser la messagerie de chat, etc. Par contre, ça promet un environnement qui est complètement sécurisé. Ça coûte, c'est pas donné, ça coûte 999 €. C'est basé sur un Arcos 50 Diamond qui coûte lui 200 € à la base. Donc ah oui. Il y a 800 € de différence. Toute l'expertise de sécurité coûte cher. Toute l'expertise de sécurité est quand même valorisée à 800 €. Oui, parce qu'en fait, c'est plus un smartphone, c'est un téléphone, quoi. On a, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On a du mail, on a du chat, on peut éditer des documents quand même. D'accord. C'est conçu pour. Mais on peut pas installer d'application dessus. Non, aucune D'accord. application tierce. Oui. Ouais. En fait, la sécurité absolue, c'est de pas avoir de smartphone. Hein. On va dire que c'est pour ceux qui préfèrent absolument avoir un smartphone sécurisé. Ouais, bien sûr. C'est pas un patron de PME qui a quelques brevets un petit peu. On va dire que c'est un téléphone en plus pour le travail, c'est pas le téléphone qu'on va acheter. Oui, ça permet effectivement à des petites entreprises, on va dire, d'avoir leur téléphone rouge. Clairement, on va pas prendre ça pour comme aller à un la ministre plage, ou un chef d'état-major. Bah, ça pourrait être une bonne idée parce que c'est mieux que peut-être sous iPad ou sous d'autres téléphones, c'est peut-être plus sécurisé. Super. Donc, autre chose rapidement, Raphaël. Oui, très rapidement, un smartphone qui est fabriqué par iQman. On en avait déjà parlé, c'est un téléphone qui intègre un picoprojecteur qui s'appelle le Hawk. Alors ça projette à 35 lumens, c'est le plus puissant qui existe actuellement. On a pu le tester hier aussi, alors bon, on va peut-être pas regarder la trilogie de Star Wars dessus avec de la voilà en extérieur. Par contre, dans une pièce assez sombre, c'est plutôt efficace. Et, ça va sortir en juin prochain, en France évidemment, et ça va être vendu 650 €. Très bien. Toi, Samsung avait sorti le BIM. Smartphone le avec BIM, un picoprojecteur. Ouais. On était en tout petits. En 2011, ils ont sorti le 2 en 2014, mais je suis pas sûr qu'il était vendu en France. Non. Voilà. Je pense pas que ce soit un énorme. Ça a été un énorme succès chez Samsung en plus. Voilà, bon, ça reste des smartphones très spécialisés, on va dire. Très bien. Merci Raphaël. David Noguera nous a rejoint. Juste bonjour, avant, messieurs. Si tu me permets, moi aussi j'ai un truc génial à Allez, vous montrer. Vas-y. Ne partez pas, je vous le fais tout à l'heure. Mais alors, c'est encore mieux que tout ce que vous venez d'entendre. En toute simplicité, avec toute Jérôme, simplicité, hein, évidemment. Voilà. Tout petit teasing, c'est pas bien. Petit teasing. Mais non, j'ai il pas a dit trouv- ça. Il a j'ai trouvé un ça. Truc. non, j'ai trouvé ça. Un truc waouh de chez waouh. David, okay, voilà. On va rester. Alors. Restez. on va rester dans le côté smartphone, puisque moi je suis passé sur le stand d'Arcos. Il y a un produit qui a fait pas mal parler, chez nous d'ailleurs aussi, qui a plutôt bien fonctionné. C'est ce que je tiens dans la main, Arcos Diamond 2+. C'est quand même un smartphone super puissant avec un processeur 8 cores, écran Full HD, 5,5 pouces, IPS, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire de stockage. Et alors la particularité de ce processeur MediaTek 8 cœurs, eh bien c'est qu'il fonctionne sur 2x4 cœurs. Les 8 cœurs s'activeront quand on aura besoin de beaucoup de puissance et lorsqu'on sera sur un usage plus basique, internet, vidéo, ce genre de choses. D'accord. Ce seront les 4 cœurs cadencés cette fois-ci à 1,3 GHz qui vont prendre le relais pour avoir une plateforme finalement un petit peu plus économique et atteindre des meilleures autonomies. Alors c'est vraiment une première parce qu'il n'y en a qu'un seul sur ce salon du Mobile World Congress. Wow. J'ai les gens d'Arcos là qui me et surveillent il est là. Parce qu'il faudrait surtout pas qu'il arrive quelque chose. Ah c'est ça le cordon de sécurité là. Il faudrait surtout pas qu'il arrive quelque chose à ce smartphone. Et pourquoi? Parce que c'est une technologie qui va se développer sur d'autres. En fait c'est surtout que chez d'autres constructeurs. Je vais en arriver un peu au gros du morceau, c'est que le prix de ce smartphone, c'est-à-dire qu'on est à 249 € avec une
avec une belle puissance, un système de lecture d'empreintes, un écran quand même Full HD. Il y a quand même beaucoup de techno à l'intérieur. Il y a capteur à l'arrière photo 21 mégapixels, 8 mégapixels à l'avant. Donc c'est quand même un beau produit, fin, léger, 150 grammes. Oui, c'est du haut de gamme. Sous Android 6 et non, justement. Enfin, c'est du haut de gamme pour en du techno, milieu de gamme. Mais avec, donc, du, voilà, avec un prix milieu de gamme. Donc d'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. On a, voilà, c'est un produit vraiment séduisant. Donc à première vue, plutôt un produit à suivre. Ça c'était pour Arcos. Ça c'était pour Arcos, mais j'en ai un deuxième. Cette fois-ci c'est une phablette qui s'appelle le Diamond 2 Note. J'essaye d'aller assez vite et ça sera. Cette fois-ci on arrive donc sur la phablette, processeur 8 corps avec beaucoup de puissance, une belle finition dos métal. Donc vraiment un beau produit qui débarquera cette fois-ci à 299€. Un écran, ce qu'on appelle l'écran 2K, 2560 par 1440 pixels, 16 mégapixels pour l'appareil photo à l'arrière, 8 à l'avant, donc voilà, un produit qui peut en plus filmer en 4K. Là cette fois-ci, on est sur un produit à 299€ pour de la phablette. Là encore un produit assez intéressant. Côté auto ? Et allez l'auto, c'est parce que c'est mon dada. Allez l'auto. Je suis allé effectivement du côté de chez Seat avec SAP et Samsung. On en a un petit peu parlé sur 01net avec ces nouvelles clés numériques qui débarquent. Volvo l'a présenté. Ouais. L'idée c'est d'utiliser son smartphone pour déverrouiller la voiture. La Samsung et Seat poussent un petit peu plus loin l'idée puisque non seulement on peut utiliser le Samsung pour déverrouiller et accéder à sa voiture, mais en plus je peux utiliser les systèmes Samsung Pay à l'intérieur du véhicule. Donc pour ça, eh bien, il y a un lecteur d'empreintes digitales intégré dans la voiture via lequel en fait, eh bien, l'utilisateur peut directement réserver son parking, s'identifier via le service Samsung Pay et réserver sa place de parking, arriver. Effectivement, il faudra qu'il y ait l'infrastructure qui soit communicante. La voiture devra communiquer ouais. avec il le parking. Il faut un copilote aussi. Hein. Et ouais. bah, après, l'interface qu'on ça. A vue, c'est assez intuitif. Disons que tu peux poser le doigt sur un petit lecteur d'empreintes qui est au niveau de la console centrale. Oui, et puis priori, on peut faire ça juste avant d'entrer dans le parking. Exactement. Voilà. Donc voilà, sur l'autoroute, t'as raison. Une façon assez simple de faire communiquer la voiture avec les infrastructures. Il y a des tests qui vont être menés avec la voiture comme moyen de parking. Paiement. Voilà. Ouais. Exactement. Comme outil de paiement. Autre chose ? Non, c'est tout. C'était bien déjà. On n'a pas fini notre forum. C'était pas mal. Voilà. Merci, merci David. Beaucoup David. Très bien. Alors, vas-y. Oui, alors moi je voudrais juste vous montrer très brièvement. Je suis allé François tout au bout du Mobile World Congress, presque là où on voit la mer, enfin vraiment, j'ai marché. Et je suis arrivé. T'as marché beaucoup parce que c'est grand. Hein. Dans une zone de non-droit. Non, dans une zone étrange où il y a des. On parle vraiment du futur. Et regardez ce que j'ai trouvé. Sur un stand de chercheurs britanniques, eh bien oui, wow. C'est un écran souple. Un écran souple ? Voilà, le Graal de la high-tech. L'écran souple, il est en préparation. Alors, ne rêvez pas. Là, vous vous dites évidemment, c'est énorme, c'est moche, mais on s'en fiche, c'est le principe qui est intéressant. Il est courbe à 40 mm. Ça, c'est une prouesse parce que cette société a réussi à imprimer des transistors sur du plastique. Mais ça ne règle pas tous les problèmes. Il y a plein de problèmes à régler. Voilà ce qu'on peut faire également. Malgré tout, ne rêvons pas. L'écran est allumé là, en fait. Oui, l'écran est allumé. Tout à fait, l'écran est allumé. Mais bon, ne rêvons pas. On est encore très loin du smartphone à écran souple parce qu'il faut régler des problèmes. Cet écran, il faut le mettre dans une couche pour le protéger. Aujourd'hui, on ne sait le faire que dans du verre. C'est pour ça qu'on ne sait pas faire d'écran souple. D'accord. Et puis, il y a tous les composants électroniques. Alors, les composants électroniques, ils sont pour une bonne part dans la feuille, là, qui ne mesure que quelques dizaines de microns. Et puis, il y a la batterie qui n'est pas souple. Et donc là, ça reste aussi un challenge. Et le matériau, le composant miracle qui pourrait peut-être régler tous ces problèmes dans les années futures, c'est le graphène. Le graphène, quand on fera 01 Live ici dans 20 ans, on parlera certainement beaucoup du graphène. Oui, qui pourrait révolutionner l'autonomie complètement. Des batteries, l'affichage, etc. Parfait. Voilà. Ça valait vraiment le coup, Jérôme. Tu as bien raison. Merci. C'est vrai que ça te plairait. C'est vrai que les écrans courbés comme ça nous fait rêver. Ouais. Ce 01 Live Hebdo depuis Barcelone est terminé. Eh bien voilà, on va rentrer tranquillement à Paris. Oui, comme chaque année, on reviendra l'année prochaine. Hein. Bien sûr, on remercie beaucoup tout le monde. Voilà, Orange, bien évidemment, de nous avoir accueillis sur leur stand ici en plein cœur de ce Mobile World Congress à Barcelone. Merci aussi à tout le staff d'Orange qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse. Et puis bien sûr à tous les techniciens ici, Florian, JD. Et Pierre à Paris. Pierre à Paris. Merci à tous, merci de nous avoir suivis.
Le replay, bien sûr, sur 01nettv.com et puis toutes les vidéos, tous les reportages consacrés à ce Mobile World Congress 2016. Voilà, et on se redonne rendez-vous depuis nos studios parisiens jeudi soir pour un 01LAVDO spécial Mobile World Congress. Bien sûr, on aura encore plein de choses à vous raconter. Portez-vous bien. Salut à tous. Et bon après-midi.